Donc je pense que maintenant, grâce aux vidéos précédentes, on a suffisamment d'éléments pour comprendre que c'est un sous-espace de RN. Donc un sous-espace de, on a dit, de RN. L'idée, c'est qu'on a RN du coup qui est un ensemble infiniment grand de vecteurs. Et je vais définir maintenant ce que c'est un sous-espace. On appelle aussi sous-espace vectoriel, parce que c'est un espace qui comprend des vecteurs. Donc qu'est-ce que c'est un sous-espace de RN? Alors pour ça, je vais prendre V, un ensemble, et je vais dire que V, c'est en fait c'est une partie. V, c'est une partie de RN. V, c'est une partie de RN, et je vais voir quelles conditions il faut avoir sur V pour que V soit un sous-espace de RN. Du coup, si on regarde RN, RN, on l'a vu, c'est en fait c'est l'ensemble de tous les vecteurs. Donc RN, du coup, ça va être des vecteurs de dimension n. Du coup, ils vont être de la forme x1, etc., jusqu'à xn. C'est l'ensemble de tous ces vecteurs, tels que les xi appartiennent à R. Et ça, c'est vrai pour tout i inférieur à n et supérieur ou égal à 1. Donc ça c'est mon Rn, c'est tous les vecteurs x1 et xn tels que les xi appartiennent à R. Et alors maintenant, la question qu'on se pose, c'est quelles sont les conditions pour que V soit un sous-espace? Pour que V soit un sous-espace de Rn. Juste oublié, normalement on met un tiret ici entre sous et espace. Donc les conditions pour que V soit un sous-espace de Rn, alors il y en a trois, on va les voir. Donc si V est un sous-espace de Rn, ça implique que la première condition, c'est que le vecteur 0, le vecteur nul, ce vecteur-là, il faut qu'il appartienne à V. Ça, c'est ma première condition. Il faut que le vecteur nul soit inclus dans V. Donc si je vais dessiner ici, par exemple, ici j'ai ce morceau-là, c'est, on va dire que c'est Rn. Ça, c'est Rn. Et j'ai du coup V qui est V, c'est, on a dit, une partie de Rn. V, ça c'est une partie de Rn. Et du coup, alors la première condition qu'on vient de voir, c'est qu'il faut que le vecteur nul, il faut que le vecteur nul soit inclus dans V. Donc ça c'est ma première condition. La deuxième condition, ça va être que si on a un vecteur qu'on va appeler le vecteur x qui appartient à V. Si on a un vecteur x qui appartient à V, alors on doit avoir que le vecteur cx, avec c une constante réelle, le vecteur c fois x doit appartenir à V. Donc ce que j'ai dit ici, c'est si on a le vecteur x qui est dans V, alors, donc si on a ce x là qui est dans V, alors on doit avoir que le vecteur c fois x doit être inclus dans V. Le vecteur c fois x, il est compris dans V. Et donc ça, c'est une condition qu'on appelle la stabilité. Cette condition-là, c'est ce qu'on appelle la stabilité par multiplication scalaire. Donc je vais l'écrire ici. Stabilité par multiplication scalaire. Finalement, c'est un mot un peu barbare pour dire que pour définir l'idée très simple, que si x est dans V,
Alors C fois X doit aussi être dans V. Donc on a la première condition que 0 appartient à V, la deuxième condition que la partie doit être stable par multiplication scalaire, et on a une troisième condition qui est que si on a un vecteur A qui appartient à V et un vecteur B qui appartient à V, donc on a deux vecteurs différents qui appartiennent à V, alors on doit avoir que le vecteur A plus B, ce vecteur doit aussi appartenir à V. Donc ici, si on a un vecteur A ici plus un vecteur B ici, les deux sont compris dans V, alors on doit avoir que le vecteur A plus B, ce vecteur A plus B doit aussi être dans V. Et cette condition, c'est ce qu'on appelle la stabilité. La stabilité par addition. La stabilité par addition. Donc voilà, donc on a nos trois conditions. 0 doit le vecteur nul doit être compris dans V. On doit avoir la stabilité par multiplication scalaire et la stabilité par addition. Et en fait, ce qu'on a, c'est que donc si V est un sous-espace, on a ces trois conditions. Et si on a ces trois conditions qui sont respectées, alors V est un sous-espace. Donc en fait, c'est une équivalence, c'est dans les deux sens. Donc tout ça, c'est peut-être un peu trop théorique. Du coup, je vais prendre des exemples très simples pour essayer de mieux comprendre ce que ça veut dire. Donc on va commencer, je vais descendre, on va commencer par un V, on va définir V, qui est une sous-partie de qui est pardon une partie de R, de Rn. On va dire que V c'est un ensemble très simple. V c'est un ensemble qui comprend uniquement le vecteur nul. Voilà, donc V il comprend un seul élément qui est le vecteur nul. Et on va, pour la simplicité, on va se placer dans R3. Du coup, on va dire que en fait le vecteur nul c'est le vecteur 0, 0, 0. Donc là, j'ai une partie de R3 qui est valide et qui comprend un seul élément qui est le vecteur nul. Et la question, c'est est-ce que V, est-ce que c'est un sous-espace de R3? Est-ce que c'est un sous-espace de R3? Ça, c'est la question que je me pose. Et alors, pour répondre à cette question, eh bien, on va faire exactement ce qu'on a dit au-dessus, c'est-à-dire qu'on va vérifier que les trois conditions sont remplies. Alors la première, c'est assez évident, hein. Est-ce que le vecteur nul est compris dans V? Ben oui, il y a le seul élément de V, c'est le vecteur nul. Donc le vecteur nul est compris dans V, ça, c'est bon, c'est une condition qui est bien remplie. La deuxième condition, c'est la stabilité par multiplication par un scalaire. Alors ça aussi c'est assez évident. J'ai mon vecteur nul 0 0 0. Si je le multiplie par un scalaire, on va appeler un scalaire C quelconque. Ça donne quoi? Donc j'ai C fois 0 0, C fois 0 0, C fois 0 0. Donc j'obtiens le vecteur nul qui est bien compris dans V. Donc ma partie V est bien stable par multiplication scalaire. Donc j'écris stable par multiplication scalaire. Donc ça, c'est aussi une condition qui est bien remplie. Voilà, et maintenant il faut que je finisse par la dernière condition. La dernière condition, c'est la stabilité par addition. Donc maintenant, alors ici j'ai qu'un seul élément, hein, du coup j'ai pas le choix. Je vais prendre, si je prends deux éléments de V, donc je prends mon premier vecteur 0, et il faut que j'additionne un deuxième élément de V, ben ici j'ai pas le choix, je vais prendre aussi mon vecteur nul. Donc je fais 0 plus 0, là encore c'est pas très compliqué. 0 plus 0 à chaque fois
c'est égal à 0, du coup bien sûr je vais obtenir mon vecteur nul ici. Donc si je fais l'addition de deux éléments de V, j'obtiens bien un élément qui est compris dans V. Donc V est bien stable. V est stable par addition. V est stable par addition de vecteurs. Donc mes trois conditions sont remplies et je peux affirmer que V est bien un sous-espace de R3. Ça, je l'ai vérifié, c'est bon. Parce que les trois conditions ont été bien remplies. Ok, donc ça c'était un des exemples les plus simples possibles, presque. Donc maintenant on va voir un petit peu plus de façon graphique ce que ça donne. Donc je vais récupérer ici, voilà, mes graphes. Et alors je vais prendre un nouvel ensemble, une nouvelle partie. Je vais l'appeler l'ensemble E. Et je vais dire que E, c'est l'ensemble, je vais me placer dans R2, c'est l'ensemble des vecteurs x1, x2. J'ai deux éléments tels que, et je vais poser une condition, je vais dire que x1 doit être forcément supérieur ou égal à 0. Voilà, et la question que je me pose, c'est encore une fois, est-ce que E est un sous-espace? Est-ce que E est un sous-espace de R2? Est-ce que E est un sous-espace de R2? Ça, c'est la question à laquelle je vais essayer de répondre. Et bon, alors encore une fois, hein, je dis sous-espace, c'est un sous-espace vectoriel parce que les éléments de E sont des vecteurs. Alors, on va commencer par essayer de voir déjà graphiquement à quoi ça correspond cet ensemble E. Donc, si je regarde pour x1, x1, on a dit qu'il pouvait prendre des valeurs positives. Donc, ça veut dire qu'en fait, x1, il va varier. Il va être ici. Je ne peux pas aller vers les valeurs négatives pour x1. Donc x1, il varie sur cette partie de l'axe. Et si je regarde pour... donc ça c'était x1, j'ai dit. Si je regarde pour x2. X2, par contre, j'ai aucune condition sur x2. Du coup, x2, en fait, il varie, que ce soit pour les y positifs ou négatifs. Ici, en vertical, je peux aller là où je veux. Et quel que soit mon x, je peux aller là où je veux ici. Donc si je regarde mon ensemble E, en fait, il comprend ce cadran ici et ce cadran ici. Les deux cadrans définissent ma partie E. Alors maintenant, la question c'est, est-ce que les trois conditions qu'on a définies avant, est-ce que ces trois conditions-là, sont respectées pour E? Donc la première question, c'est est-ce que le vecteur, donc ici on est dans R2, est-ce que le vecteur nul dans R2, donc c'est-à-dire le vecteur 0, 0, est inclus dans E? Alors ça c'est la question que je me pose. Et la réponse, bah, c'est assez simple, hein, ici, il est où le vecteur nul? C'est le vecteur qui est ici. Et ce vecteur nul, il est bien inclus dans E. On le voit graphiquement. Et ici, on voit que si on remplace x1 par 0, on n'a pas de problème, c'est bien inclus dans E. Du coup, cette première condition, elle est bien vérifiée. 0 est inclus dans E. La deuxième question, c'est, on va dire, la stabilité par addition. Du coup, si je prends deux vecteurs qui sont inclus dans E, est-ce que la somme de ces deux vecteurs est aussi incluse, dans E? Donc, pour voir ça, je vais commencer par prendre des exemples graphiques, même si ce n'est pas une démonstration pour un peu voir ce qui se passe. Du coup, si je prends un premier vecteur comme ceci et un deuxième vecteur comme ceci, je fais la somme. Mon vecteur final, c'est ce vecteur ici en rouge. Et du coup, les deux premiers vecteurs étaient dans E, le troisième vecteur est bien dans E. Je peux prendre un vecteur comme ceci. Un autre vecteur comme ceci. Je fais la somme, je vais arriver quelque part ici. Et du coup, mon vecteur final, c'est ce vecteur-là. Donc encore une fois, mes deux vecteurs initiaux étaient dans E, mon vecteur final est dans E. Alors si je fais ça de façon un peu plus rigoureuse et un peu plus mathématique,
Je prends deux vecteurs. Je vais prendre un premier vecteur A, B, qui est dans E. Donc la condition c'est que A soit positif. Je prends un deuxième vecteur, on va dire le vecteur C, D, qui est dans E aussi, donc C est positif. Si je fais la somme de ces deux vecteurs, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens en haut A plus C. En bas, j'obtiens B plus D. Et la question, c'est est-ce que ce vecteur est inclus dans E? Et en fait, on vient de dire que A et C étaient positifs, parce que les vecteurs sont inclus dans E. Et du coup, A plus C est forcément, c'est forcément un nombre positif. Et en fait, on n'a pas de condition sur B plus D, hein, comme on a dans E, on a aucune condition sur X2. Ici, on n'a pas de condition sur B plus D, et on a que A plus C. Est bien positif. Du coup, ça nous dit que la partie E est bien stable par addition. Donc, je vais le marquer. E est stable par addition. Stable par addition. Ça, la deuxième condition est bien vérifiée. On l'a vérifiée de façon rigoureuse et mathématique. E est bien stable par addition. Et alors la dernière condition à vérifier, c'est la stabilité par multiplication scalaire. Et alors là, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on prend, par exemple, je vais commencer graphiquement et ensuite on verra mathématiquement ce que ça donne. Si je prends un vecteur ici qui est inclus dans E, donc si je le multiplie par un scalaire positif, je vais arriver quelque part, par exemple ici. Donc je vais bien rester dans E. Par contre, si je le multiplie par un scalaire qui est négatif, par exemple si je le multiplie par moins 1, ce vecteur, je vais arriver ici. Et on voit bien que ce vecteur-là, lui, il n'est pas inclus dans E. Donc si je fais ça de façon mathématique, qu'est-ce qui va se passer? Si je prends mon vecteur AB, je reprends mon vecteur AB, mon vecteur AB. Si je le multiplie par moins 1, donc j'ai le droit, hein, c'est bien un réel, alors le vecteur que j'obtiens, c'est le vecteur moins A moins B. Et en fait, vu que A devait être positif parce que ce vecteur-là appartient à E, moins A, c'est forcément un nombre négatif. Ça, c'est forcément un nombre négatif. Moins A est forcément négatif, et du coup, ce vecteur-là ne respecte pas les conditions pour être dans E. Ce vecteur n'est pas dans E, et du coup, E n'est pas stable par multiplication. Donc, je vais l'écrire. E n'est pas stable. N'est pas stable par multiplication. Par multiplication, cation scalaire. Donc E vérifie bien les deux premières conditions. 0 est inclus dans E et E est stable par addition. Par contre, E n'est pas stable par multiplication. Cette troisième condition n'est pas respectée. Et du coup, je peux dire que E, je peux conclure, E n'est pas. E n'est pas un sous-espace de R2. Parce que E vérifie deux conditions sur trois, mais il faut qu'il vérifie les trois pour être un sous-espace. Voilà, alors maintenant je vais prendre un autre exemple. Je vais descendre un peu. Je vais descendre ici. Je vais prendre un ensemble. U. Je vais prendre U comme une partie de Rn. U, je vais dire qu'il est égal au vect de, par exemple, V1, V2, V3, avec V1 et V2, V3 sont trois vecteurs de Rn. Je vais pas définir leur taille. Donc, et la question que je pose, c'est toujours la même. Est-ce que U
est un sous-espace de Rn. U sous-espace de Rn. Donc ça, c'est la question que je me pose. Et alors, pour répondre à cette question, c'est toujours la même chose. Est-ce que U vérifie les trois conditions qu'on a définies au début? Alors la première condition, c'est est-ce que le vecteur nul est inclus dans U? Mais pour ça, c'est assez simple en fait. Si on prend comme combinaison linéaire, donc le vect, c'est bien toutes les combinaisons linéaires de V1, V2 et V3. Et par exemple, la combinaison linéaire qui dit 0, V1, 0, V1 plus 0, V2 plus 0, V3, c'est bien ce vecteur-là, c'est bien un vecteur qui est inclus dans U, parce que c'est une combinaison linéaire de V1, V2, V3, et c'est égal à quoi? C'est égal au vecteur nul. Donc le vecteur nul est bien inclus dans U. Donc la première condition est bien respectée. Maintenant, on va passer à la deuxième condition qui est la stabilité par multiplication. Donc si on regarde ça, on va avoir, si on prend que x, on prend x comme un vecteur de U. Donc x peut s'écrire du coup sous la forme c1 fois v1 plus c2 fois v2 plus c3 fois v3. Par définition, vu que x est inclus dans le vecteur de v1, v2, v3, il peut s'écrire sous cette forme-là. Et du coup, si maintenant on prend le vecteur c, non, je vais pas dire c, a fois x, par exemple, le vecteur ax, avec a qui est une constante réelle, il est égal à quoi? Ben, c'est tout simple, il est égal à fois c1 v1 plus a fois c2 v2 plus a fois c3 v3. Et ici, vu que c1, c2, c3 ce sont des réels et que a est un réel, on peut très bien réécrire ça. Ça c'est a c1, a c2, a c3 ce sont aussi des réels. Donc on peut très bien les écrire comme d1 v1 plus d2 v2 plus d3 v3. Et on voit bien ici que le vecteur ax qui s'écrit comme ceci est bien une combinaison linéaire de v1, v2 et v3. Donc il est bien inclus dans le vecteur de v1, v2, v3. Donc la deuxième condition de stabilité par multiplication scalaire est bien vérifiée. Ça, c'est la stabilité par multiplication. La stabilité par multiplication. Cette stabilité est bien vérifiée. Donc la dernière chose qui nous reste à vérifier, c'est la stabilité par addition. Alors comment on fait ça? On a déjà du coup un vecteur qui appartient à U. On va prendre un deuxième vecteur, on va l'appeler le vecteur Y qui appartient à U. Du coup, on va dire qu'il est de la forme B1 V1 plus B2 V2 plus B3 V3. Donc Y est inclus dans U. Et la question, c'est est-ce que le vecteur X plus Y, est-ce que ce vecteur-là, donc avec X qu'on a écrit ici et Y ici, est-ce qu'il est inclus dans U? Et alors à quoi il est égal? Du coup, si on regarde, il est égal à B1 plus C1 fois le vecteur V1. Je mets juste ici, on a C1, V1 et B1, V1, donc ça fait bien B1 plus C1 fois V1 plus B2 plus C2 fois V2 plus
B3 plus C3 fois V3. Donc voilà, donc comme avant, ici B1 et C1 sont des réels, du coup B1 plus C1 est un réel. Pareil pour B2 plus C2, pareil pour B3 plus C3. Du coup, le vecteur x plus y est bien une combinaison linéaire de V1, V2 et V3. Donc x plus y est bien un vecteur qui est inclus dans le vect de V1, V2, V3. Donc ça nous dit que la dernière condition qui est la stabilité par multiplication est bien vérifiée. La stabilité par addition, pardon. Ça, c'est la stabilité. Stabilité par, on a dit, par addition. La stabilité par addition est bien vérifiée. Donc, on a vérifié les trois conditions. Le vecteur nul est bien inclus dans U. U est bien stable par multiplication scalaire. U est stable aussi par addition. Donc U est un sous-espace de Rn. Et en fait, on aurait même pu aller plus loin. Ici, on a pris trois vecteurs, mais en fait, on aurait pu prendre 4, 10, 20 vecteurs, on aurait pu prendre m vecteurs, quel que soit m, et le vect d'un certain nombre de vecteurs est forcément un sous-espace de Rn avec n le nombre d'éléments dans chaque vecteur. Et alors, pour mieux que tu comprennes ça, on va regarder un exemple sur un vect très simple. Donc, on va dire que on va dire que c'est le vect. On va dire que c'est le vect d'un seul élément, d'un seul vecteur, un vecteur très simple en plus, le vecteur 1, 1. Voilà. Donc on dit que U c'est le vect de 1, 1. Et la question c'est toujours la même, est-ce que U est un sous-espace de R2? Alors déjà, le vecteur 1, 1, à quoi il ressemble? C'est ce vecteur ici. Ça, c'est le vecteur 1, 1. Et du coup, le vecteur de 1, 1, on l'a vu dans des vidéos précédentes, c'est en fait cette droite qui passe par ici. Donc, c'est cette droite ici. Ici, dans les... du côté des négatifs. Voilà. Donc, le vecteur du vecteur 1, 1, c'est cette droite ici, en bleu. Alors, du coup, est-ce que ce vecteur est bien un sous-espace de R2? Ben, on va faire comme avant, on va vérifier les trois conditions. Du coup, concernant le vecteur nul, eh ben, si on prend 0 fois mon vecteur 1, 1, ce vecteur-là est bien inclus dans le vect, et il est égal au vecteur nul, en fait, il est égal au vecteur 0, 0. Donc la première condition est bien vérifiée parce que ce vecteur 0, 0 est bien inclus dans U. La deuxième condition, qui est la stabilité par multiplication scalaire, en fait, si on regarde la définition de ce vecteur, c'est tous les éléments qui peuvent s'écrire comme C fois le vecteur 1, 1. Donc par définition, tous ces éléments-là sont compris dans U, donc U est bien stable par multiplication scalaire. Cette deuxième condition est bien vérifiée. Si on regarde la troisième condition de stabilité par addition, donc on va prendre deux vecteurs, on va prendre un vecteur A qui est compris dans U, donc A il s'écrit de la forme C1 fois le vecteur 1, 1, et on va prendre un deuxième vecteur qui est aussi compris dans U, donc le vecteur B qui s'écrit comme C2 fois le vecteur 1, 1, avec C1 et C2 qui sont deux réels. Et si on regarde la somme de ces deux vecteurs, ça donne quoi? Ça donne, finalement, on peut mettre C1 plus C2 fois le vecteur 1, 1. C'est C1 plus C2 fois le vecteur 1, 1. Et ça, on peut très bien l'écrire comme C3 fois le vecteur 1, 1. Donc, le vecteur A plus B est bien inclus dans le vecteur du vecteur 1, 1. Donc, la condition de stabilité par addition, encore une fois, elle est bien respectée.
Donc le vect de 1, 1, eh bien un sous-espace, cet ensemble U, eh bien un sous-espace de R2. C'est ce qu'on a démontré en vérifiant que les trois conditions étaient bien respectées. Donc tout ça pour dire que finalement tous les vectes, quel que soit le vect, quels que soient les vecteurs à l'intérieur, un vect est forcément un sous-espace de Rn. Voilà, donc j'espère que cette idée de sous-espace est maintenant plus claire pour toi, et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.